Bonsoir! Bonsoir! Je bois un coup. La mémoire de l'eau. Oh merde! Ah putain! Bon, on va continuer Nexomon, j'ai envie d'évoluer. Alors j'ai joué un petit peu la dernière fois. Et j'ai déclenché des scènes. Du coup, on va pas se retrouver au même endroit là où je vous laissais. Voilà. Vas-y, articule, tu vas y arriver. Et on est dans les volcans. Pour qui, pourquoi? Bah parce que j'ai avancé comme un gros gueudin et on a pris un ascenseur. J'étais dans le désert, j'ai descendu des marches et puis j'ai parlé à des bonhommes. Et on a rencontré un dragon, s'est fait attaquer. Et du coup, maintenant, on est au fond du volcan. Et au fond du volcan, ça sent les fesses. Donc j'ai pas voulu avancer, par contre j'ai fait évoluer quelques Nexomon. J'en ai entrapé des rares, je crois que j'en ai en double en fait. J'ai des versions évoluées et pas évoluées. On va voir ça ensemble, je pense que j'en ai deux en double. Enfin, j'ai deux doublons, voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Patati patata quoi. Alors attends, vous entendez la musique, le jeu est lancé. On va faire ça comme ça. Parce que comme ça c'est bien. Oui, comme ça c'est bien. Alors, alors c'est parti. Allez, hop, la manette. Et puis on va se marrer, c'est chouette. Ah là, et ce soir c'est la reprise de Herman. Donc on ira le raider s'il y a du monde. S'il n'y a pas du monde, je ferai juste un host. Mais alors, soirée fitness. Oh, comment je suis pas motivé. Oh, je me suis fait une journée charcuterie là. Oh non, avec andouillette, pâté de campagne, saucisson à l'ail, blanc de dinde, jambon de Bayonne, c'est pain de mi-baguette et tout. Ah, j'ai pris 3 kilos. Oh merde. Donc du coup, fitness, le soir comme ça. Le matin, je dis pas, mais alors le soir, laisse tomber quoi. Hop, j'ai pas envie. Ah bah, on se fait attaquer d'entrée de jeu. Alors, la cité en pleine confusion depuis l'attaque de Tyran. Ah oui, c'est vrai, Amélie nous avait dit ça. C'est ma chance de voler quelques dresseurs débutants. Ah oui, d'accord. Ah, toi, espèce d'opportuniste. Mais elle est bien, son araignée. J'en veux une comme ça, moi. On va... Oh, du flux. Alors, tu veux, on va balancer le flux sur l'arachnide. Parce que, en fait, moi, je m'appelle Jordan. J'ai les super pouvoirs depuis que ma grand-mère était sorcière. Oh merde, nuage de poison. Ah là là. J'ai fait, tu vois, de la télépathie. C'est que je sais faire des... Oh merde, c'était quoi déjà, la connerie? La télépathie, quoi. Oh merde. C'est quand tu sais faire cuire des pâtes par la pensée. Alors du coup... Ah, regarde dans la télévision. Oh merde. On y va, rafale de palmier. On va réussir à lui démolir sa gueule hein, à un moment donné ou à un autre. Allez vas-y, paf, rafale. Ah oui, bah sourdi, bah vas-y, enchaîne en fait, coup de chaîne. On est bien, oh bah j'avais envie de jouer. C'était pépère, normalement je stream pas le lundi. Ou alors quand je stream le lundi, je stream pas le mardi. Mais oh, c'est quoi ça? Ah il est vilain, hein, il est dégueulasse ton cochon. Bon écoute, on va rester sur une attaque physique. Ah il m'a raté, ah c'est ok, c'est un élémentaire feu. Par contre moi les gars, j'ai bientôt plus de magie. Ah puis il m'a touché, donc on va changer de Nexomon. Ça devrait bien se passer en vrai comme combat. Je vais prendre Choupidou qui veut pas évoluer trop. Abasourdi. Et normalement le level 12, il y en a beaucoup qui vont passer à un autre stade d'évolution. Et ça Oh lolo lolo. J'ai jamais vu ce bazar. C'est quoi ce bazar? J'ai l'impression que si je lui envoie encore un coup, il va me défoncer. Trou de cul, vas-y, trou de cul. Allez, trou de cul, je compte sur toi. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire là? Roche de la nuit, explosion de roche. Et ils sont pas terribles ces pouvoirs, trou de cul, quoi. Je te fais évoluer parce que je t'ai attrapé, mais franchement, j'espère que ton évolution est... Il y aura mieux à promettre que ce que tu fais là. Ah là, ok. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Ah bah j'ai fenouillé mes gadars. Deux corps de feu. Est-ce que j'ai bien fait de les prendre? Parce qu'il y a Roche ici. Ouais, il est vénère lui un peu, non? Il est vénère.
Pop, hop, 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 on va essayer ça. Oh, ça n'est pas super efficace. Il est rocher, hein. Bah, Graou, en fait. Graou, il s'en sortait bien. Te fais pas attaquer. Oh là, c'est bon. Graou, il s'en sortait bien, mais il va falloir qu'il bouffe de la fiole. Ah, j'avais ça, max elixir. Bon, bah, j'ai pas trop le choix, en vrai. J'espère que je me suis pas planté dans ma sélection. Mais ouais, j'ai l'évolution de Graou. Je vais vous montrer ça après, quand on trouvera de... C'était pas le bon choix. Oh, me dites pas que je vais me faire défoncer. L'eau coupe la roche. S'il vous plaît, dites-moi que oui. Attends. Objet. Choupilou, je compte sur toi. Hein. Fais pas le zouave. C'est le seul qui reste. C'est le dernier, c'est le dernier. On peut l'avoir, on peut l'avoir. Tu encaisses pas trop mal. Allez, assaut de glace. On peut le geler au passage. C'est bon, j'arrive à encaisser. Bon, ça va me coûter quelques fioles, mais bon. Allez, c'est parti. On est pépère. Ah, ça y est, ça commence sur les chapeaux de roue. J'avais envie de commencer tranquille, mais non, en fait. Ah, j'ai un pouvoir qui me redonne de la vie. Je sais pas si ça va suffire, par contre. Bah, mais ça peut être pratique. Bah, de toute façon, que je fasse haute guérison. Et ça va me coûter de l'énergie. Ou que je prenne une fiole, vaut mieux que je prenne une fiole. C'est pas comme si j'avais pas de réserve. Et vas-y, mon pépère. Il fait très très mal, hein. Blistrong. Je sais pas d'où il vient. Bon, vas-y, il faudrait que je le gèle. En vrai, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a utilisé une espèce de pierre. Un contre-gel, peut-être. Bon, bah voilà, on s'en est bien tiré. Mais par contre, faudrait pas refaire un combat. Oui, je suis plus fort que tu le pensais. Bah, c'est normal, hein. Alors, du coup, on va essayer de trouver un point de sauvegarde, quelque chose. Qu'on puisse s'en sortir. Tac, tac, tac. Attends, je peux aller en bas, non? Est-ce que je suis dans la bonne direction, moi? Mais non, je suis pas du tout dans la bonne direction. Qu'est-ce que je fous là? Alors, attends, c'est pas ça. Faut pas aller par là. Donc, faut aller par lit. Allez, hop! Patati patata, laisse-moi tranquille, toi tu bois. Toc. On va essayer... C'est en bas ou pas? Non, c'est pas en bas, forcément, ça va être à gauche. Alors attends, tac, on va passer par là. Prends de... Oh non, me dis pas qu'il va vouloir combattre, elle. Attends. Je dois pas la combattre. Voilà, c'est par ici. Et on arrive normalement à la cité. Là, je me souviens, c'est par là. Voilà, on a un autre de téléportation. On a le fameux tyran qui fait rien que nous embêter. Et normalement, j'ai de quoi me soigner sur la droite. Voilà. Je vois que j'ai une infirmerie et on est pépère. Donc le tyran, c'est la guerre des tyrans. Ils font la guerre entre eux. Donc lui, il va nous dire, bon bah, je prends tous les gamins en otage. Mais je les libère si tu vas casser la figure à l'autre tyran, le tyran du début, là, le tyran de la neige qu'on avait rencontré. T'inquiète pas, je tiendrai parole. En attendant, je bloque l'accès sud de la cité avec un mur de feu. Mais si tu fais ce que je te dis, on y arrivera. Mais bon, pour ça, il faut que j'aille le voir. Patati patata. Toi-même, tu connais les bails. C'est verbeux, je vous ai fait la version courte. Mais après, c'est vrai qu'arrivé à un stade, j'aurais plus d'avance sur le jeu. Et donc, on découvrira ensemble. Là, pour l'instant, je vous fais le résumé. Alors ça, je prends. On est d'accord. Est-ce qu'on y va tout de suite? Attendez. Parce que là, pour l'instant, c'est chaud. C'est le cas de le dire, parce qu'on est dans un volcan. Alors, hop. Du coup, on pourrait visiter, mais c'est un petit peu oppressant. Attends, vas-y. Pour commencer, là, soyez mon équipe. Et on voilà, il y a la musique et tout. On va aller ailleurs. Donc on est à Inita, si je ne m'abuse, et nous on s'était quitté. C'était pas ça. C'est l'avant-poste du désert, il me semble. On était rendu là. Voilà, on était rendu là. Et on avait avancé. Là j'avais avancé en fait, et il y avait la queue leu-leu. Et donc ici il y avait Amélie qui m'a parlé, qui m'a dit bon bah avec Ross. Vous allez servir de renfort pour la cité. Rendez-vous à Inita, là, qui est en bas. C'est ce que j'ai fait.
Donc qu'est-ce que vous avez pas vu la dernière fois qu'on s'est quitté? J'ai avancé ici, j'ai pris l'ascenseur, et à partir de l'ascenseur, j'ai été attaqué. Donc voilà, utiliser l'ascenseur pour aller à Inita, oui. Et donc en descendant, je sais pas si on va avoir une cinématique. Normalement non, hein, je pense pas, il va nous mettre directement en bas. Voilà, il nous met directement en bas. Oh bah tiens, il y a du monde cette fois-ci. Et du coup, on va remonter. Et durant le trajet, en fait, il y a eu une cinématique, on s'est fait attaquer par un dragon. Enfin, un dragon, un tyran. Un tyran ou un dragon. Enfin, une grosse bête. Toute jaune. Et voilà ce que vous avez loupé. Donc, ce qu'on voulait, nous, dans un premier temps, c'était pas forcément aller à Inita. Je vous parlais de la toundra gelée. Attendez, on va faire un combat, vu qu'on s'est soigné, là, maintenant. Et puis, on va essayer d'en attraper un rat. Un petit gravillon, on va le défoncer. Nuage de poison, déjà, pour commencer. Parce qu'ils sont un peu forts, hein, quand même. On avait vu qu'ils étaient level 16-17. Et du coup, c'est un peu chaud pour nous. Et par contre, je les ai tous amenés quasiment level 11, les Nexomon. Ce qui fait qu'on va pouvoir leur faire passer le stade supérieur. Canon à plasma. Non, rafale de palmier. Oh, il fait mal, lui. Attends, morsure, ça devrait suffire. Allez, vas-y, hop. On va te soigner, je vais vous montrer ce que j'ai attrapé. Donc du rare, méga d'art, j'ai envie de le faire évoluer. Donc tous niveau 11, un minimum. Donc j'ai jusqu'à du level 14. On avait chopé l'espèce de tyrannosaure. Attendez, on va soigner les pépères là. Toc. Elle vient par là, oui. Donc là autant acheter hein, à ce marchand là. Je sais pas si elle sera là, 510 27, on va en prendre. Je sais pas si je peux en prendre déjà 3. Ok, des Nexotraps, j'en ai 9. On va en prendre, allez, 4, 5. Bah non, je peux en prendre que 3. Allez, même pas, 2. Allez, zou. Ok, il va falloir faire du combat. Il va falloir faire du combat et je vous montre ce que j'ai. Hop. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je suis rentré. Je voulais avoir accès à ce truc-là. J'ai dos dans les oreilles encore. Allez, hop. Du coup, donc gros bidou, levez 11, Graou 11, pareil pour tout le monde. Megadar. Et du coup, j'ai attrapé quoi? Death Note, on l'avait. Fripouille. Je me demande si j'ai pas chopé son évolution. J'ai attrapé Wolfy. Hop, ultra rare, le petit loup. Il est tout mignon, donc je suppose qu'il va évoluer en un gros choupidou. Mégardar, Mégadar, c'est mon scorpion. Mégara, hein, serpent d'eau. Donc celui-là, pareil, je l'avais jamais vu. Bécapat, on l'a. La main fâchée. Délice, on l'a attrapé ensemble. Firehead, on l'a croisé régulièrement. Mais voilà, je me suis dit, il est pour la collection. Il est commun. Alors ça, Saturlune, et je pense que c'est... on a les Virox, je pense que les Virox, c'est l'évolution de Saturlune. Donc on a la Saturlune qui est là, qui est rare, qui est mode rocher. Et là, Lady Rock qui est mode rocher aussi. À mon avis, vu comment elles se ressemblent, c'est les mêmes. Waterbull, on l'avait attrapé ensemble dans une caverne. Polochon. Je crois que j'ai vu son évolution, mais je ne l'ai pas attrapé. Lapidou. Trop mignon, Lapidou. On en voulait un comme ça, peu commun. Jelly Smile, parce que c'est une méduse qui rigole. Donc ça, ça a l'air d'être commun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Creepy Cat. On en avait vu. On en avait vu un en début de jeu. Sauf que elle avait son masque sur le visage. Donc ça, je pense que c'est une évolution également. Granocha. Peu commun. Je sais pas, je l'ai trouvé rigolo. Donc point de vue psychique. Dragodo. Pareil, on l'avait déjà eu dans une autre partie. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de l'avoir. Après, est-ce que c'est pas l'évolution de Serpent d'eau? C'est possible. Patoon, je pense que Patoon, c'est l'évolution de Fripouille. Mais ultra rare. Voilà, type vent. Je pense que ouais, c'est l'évolution de Fripouille, mais je suis pas sûr. Colibranche, on en avait pas. Donc Scorpio Cat, je pense que c'est l'évolution de Mao. Parce que voilà, c'est un lion avec un dard, genre. Manticore. Manticore, voilà, c'est ça. Flantomas. Parce que j'en avais pas. Donc un type poison. Foxy Leaf. On l'a attrapé ensemble, il me semble.
ultra rare. Celui-là, je suis tombé dessus, pot commun, un espèce de lampion, pourquoi pas. Donc type feu, Lunatop, bon commun, peu commun, mais bon, on le croisait régulièrement. Donc Tyroflux, on l'a attrapé ensemble et vache à lait, donc c'est passé de vache à lait, de vache au lait à vache à lait. On l'avait fait évoluer ensemble. Et du coup c'était plutôt cool. Et donc là on pourrait se faire une team. Vous voyez là, gros bidou il va évoluer. Graou il va évoluer. Moi je serais pour faire évoluer Octobrain. Donc type psychique. On a du rare. On a du rare. Wolfie il était quoi? Choupidou, j'ai envie de le voir en fait sa version évoluée. Truc de cul, j'ai envie de. Je le garde pour plus tard. Donc c'est un niveau 11. Ouais, on va mettre Wolfie. Wolfie il est niveau 12, mais je pense qu'il peut évoluer. Ensuite, on peut faire quoi? Fripouille. On peut mettre Fripouille Délice. Hein. Quoique Délice, elle a déjà évolué. Alors, Choupidou, on va garder Choupidou. En haut, j'en ai pas beaucoup, hein, des... Ah, quoi que si. Des Coromon haut, j'en ai là. Et Fenouil et Mégadar, je vais les garder. Je vais garder deux feux avec moi. Je devrais peut-être prendre un Coromon électrique. Quoique, Tête d'Ampoule a pas évolué. Hein. Bon, allez, on va voir. Hop, on va pas rester là pendant 15 plombes. On va aller se balader. Et la toune, c'est la toune rajolée hein, qu'on n'a pas vue, il me semble. On l'avait vu. Si, toune rajolée, on y a été. Alors attendez, parce que là on est à Lateria. Et on a un espace vide sur la droite. Donc j'irai bien voir sur la droite s'il n'y a pas un truc, un village, quelque chose. Sinon je pense qu'on a fait toute la map. Enfin du moins pour l'instant. Palmaya. Attends, Palmaya. Ouais, ok, on est là. Ouais, on a Lateria et on n'a pas la ville sur la droite. On va aller voir. Allez, go. Et puis de toute façon, faut qu'on se tape. Il nous faut des sous. De toute façon, il nous faut absolument des sous. Donc, est-ce qu'on se tape contre des dresseurs? Bon, on va essayer. On va voir. Déjà, on va avancer un petit peu. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il y a un chemin en haut, il y a un dresseur en haut. Non, alors non. On va garder nos forces pour le dresseur. Ah, échoué. Bon, bah tant pis. Ah, bah attends, on va se rebarrer du coup. Hop. Polochon, je l'appelais moi. J'avais plus d'aspiration arrivé à ce stade. Hé, Minable, je vois que tu prétends toujours être un vrai dresseur. Bien, c'est l'heure de la revanche. Je vais te montrer comment on fait. Ah, parce que j'ai dû l'éclater lui déjà. Oui, effectivement, on avait galéré. Oh la vache. Level 17, hein. Il rigole carrément pas. Level 17. C'est, mais pour progresser en vrai dans ce jeu-là, c'est chaud. Bombe psychique, ça marchait bien. Il m'a pas tué. Je sais pas s'ils vont, ils vont survivre longtemps. Allez, l'eau coupe la roche. Ah, super. Absorbe une partie des blessures de l'attaque de type eau. Bon, ben, on va faire ça. Et transforme en santé. Attends, mais qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Ouais, fais ça. Je crois qu'il devait gagner de la santé, ce sandouille. Eau de guérison. Ok. Parce que là, j'ai l'impression qu'il a utilisé sa santé pour perdre de l'énergie. Patati patata, on y va, assaut de glace. On va y arriver. On va y arriver, vas-y. On enchaîne coup de chaîne. Tant qu'il peut pas attaquer, je l'ai, c'est parfait. Allez, je lui mets encore ça. C'est l'occasion de prendre une fiole. J'ai hésité entre fiole et potion, allez, on va dire. Alors peut-être pas, non. De l'énergie d'abord. De l'énergie, on va faire ça. Ouais, il change. J'aurais pu le finir en vrai. Assaut de glace. Ça marchait bien, assaut de glace. Ah bah voilà. Hop, du coup, on devrait réussir à lui faire perdre la vie. Ça marche bien. Allez, vas-y. Tant que cette attaque, elle est. Ah ouais, ok. Bon, ça, c'est l'évolution de l'autre. Il est stylé en vrai. Qui est en pyjama de cheval. Ah, t'as pas esquivé là. Là, attends.
J'ai plus de fioles là, qui me donnent à la fois de la vie et l'énergie. Vas-y, encaisse, s'il te plaît. J'ai 10. Prends une autre fiole. Non, pas ça. Ça, c'est la renaissance. Choupidou. Choupidou, c'est toi qui vas mener le combat, en vrai. Mon petit nuage. Ça va être tant d'axe. Oh, mais mais je suis bête, j'en ai deux autres. Allez, Megadar. Megadar, tu vas évoluer. Par contre, Megadar, c'est toi qui vas prendre l'évolution. Est-ce que si je ressuscite Choupidou, il va prendre. Il va se transformer. Attends. Je sais pas, tant pis. Hein. Objet. Je veux que Choupidou il prenne son XP en vrai. Oh, ce cadeau. Oh, j'aurais dû faire une stigmatisation par le feu. Bon, j'ai pas réussi à le taper, donc déjà c'est mal barré. Et il a régène lui ou quoi? Il s'est passé quoi avec lui? Assaut de glace. Il faut parvenir à le geler. Vas-y. Meurs pas. Ah, oh, il est mort. Pas facile, pas facile. Hein. Oh là là. Mais de toute façon, j'avais envie de jouer tranquille là ce soir. Il va falloir qu'on aille XP ailleurs. Je vous disais qu'il y avait des zones hein, où il y avait des. Où il n'y avait pas de corps humain plus fort ou moins fort. Pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, il s'avère que si. Il s'avère que faille rocheuse, morsure, canon à plasma, attaque physique. Non, ça lui a rien fait. Ça l'a fatigué. Mais merde, j'ai refait la même chose. Ah oui, si, quand même. Ouais, deux fois d'affilée, en fait, faut le faire. Faille rocheuse, écran de fumée, morsure. Faille rocheuse, ça fait quoi? Ah si, quand même. Bah, tiens, on va faire pareil sur toi. Ouais, tu as régène. Oh, bah si, ça marche bien, ça. Bon, ça marche bien. Ça marche. Bien, c'est autre chose. Allez, Wolfie. Ils sont tous en train de perdre. Oh, ils sont tous en train de perdre, les gars. Fenouille. Vas-y, dis-moi qu'une petite griffe de feu, ça... Oh, par contre, il est mort. Alors, attends. Griffe de feu. Faut que je change, par contre. Il sert à rien. Comment on fait? On donne une fiole de régénération à Choupidou. Vas-y, il ressuscite. Ah, je pensais pas qu'il puisse attaquer en vrai ce tour-là. Allez, Choupidou. Choupidou, on compte sur toi. Saut de glace, là, tu le gèles, là, l'adversaire. Ah, je suis à fond, non, excusez-moi, là, c'est... je suis un peu mou, mais je suis concentré. Et il est gelé. Allez, finis-le, finis-le. On va faire haute guérison. Ouais, vas-y, haute guérison. Et puis, il te reste 10 points pour le terrasser. Allez, gelé. Et j'ai rien à 10 points. Torrent. Superbe. Un de moins. Il en reste 2. Mais j'ai plus que 5 points. Mais c'est un feu. Donc, feu sur roue. Normalement, je garde l'avantage. Mais il a 4 niveaux. 5 niveaux de plus que moi. C'est risqué. Mais ça peut le faire. Oh, il m'énerve. Wolfie. On va ressusciter. On va le ressusciter encore un nuage. Hein. Heureusement que j'en avais acheté un certain nombre quand même. Bon, ça, c'était prévisible. Choupidou, reviens. Faut que tu prennes l'XP de toute façon. Oh, par contre, il fait tellement mal. Et voilà, moi aussi. Avait plus qu'un et normalement il avait quasiment plus de vie à saut de glace, c'est un truc qui marchait bien. Si on peut le geler, on est parfait. Allez, ça va me coûter 2 fioles maximum. Mais normalement c'est bon, on a gagné. Enfin j'espère. Il pouvait pas attaquer. Allez, on renchaîne couchaine. Et vas-y, vas-y. Voilà. Une fiole. Bon bah voilà, c'est pas, pas facile. Mais du coup, pour explorer, ça va être galère. Donc il va falloir qu'on aille se faire la main ailleurs. Alors, absorbe une partie des blessures de l'attaque de type peau suivante, c'est nul.
C'est exactement comme siphon aquatique. Bah c'est siphon aquatique. Mais c'est le même. Putain, il évolue pour avoir le même... Oh purée. Ah, j'ai vraiment pas de bol là aujourd'hui. Alors, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire non plus. Attends, moi je vais me soigner parce que d'ici que tu me rattaques, il m'en faudrait un électrique. Un exomon électrique dans le tas parce que j'ai pas l'impression qu'il soit super efficace là. Mais l'exomon. Si on a de la roche, on a du feu, on n'est pas loin de, du volcan. Bah, surtout de la roche. J'ai l'impression que c'est eau qui fonctionne le mieux contre la roche. Pom pom pom. Ah bah lui il est passé level 13 du coup. Bien joué Choupidou. Mais il a pas évolué. Attends. Level 13. Alors on va te mettre où? On va te mettre là. Serpent d'eau. Fenouil, on garde le fenouil. Bah, le feu en fait il est pas super efficace. Donc on va en prendre un autre de type eau. Bah écoute, on a Bécalo. Bécalo qu'on peut prendre, qui nous suit en plus, c'est notre mascotte. Attends, on va te mettre à cette place là histoire que le rangement soit efficace. Volfi, il avait ses chances. Gros bidou, j'ai envie de le voir évoluer. Megadar pareil, Megadar il va évoluer de toute façon. Et Octobrain aussi. Je vais garder deux hauts. Ah oui, je voulais un électrique. Pom 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 pom. Allez, on va mettre un électrique à la place de le serpent d'eau. Il y avait la main fâchée. Ou tête d'ampoule. Ou il y avait Scarabourde aussi. Il est où Scarabourde? Il est level 11. Attends, on va te mettre là. Allez, on va garder cette configuration. Et on y retourne. C'est parti. Au moins essayer de découvrir un nouvel environnement. Et grâce à ça, on sera les plus forts du monde. C'est pas vrai. Mais on va essayer. Allez, go. Donc on évite les combats dans les fourrés. On se réserve pour les dresseurs. Parce que déjà, ils sont assez cheatés. On peut aller vers le bas sans trop de difficultés. Bon, lui, vu qu'on l'a vaincu, on va en profiter. Il y a quoi par là? Ah, il y a plein de trucs à visiter, alors attends. J'ai envie de foncer vers l'est en tout cas. Toc. Je crois qu'il y avait quelque chose à l'est. Eux, ils vont pas m'attaquer. Donc là, on a une grotte. Oui, c'est ça, on était passé à proximité. C'est là qu'on avait eu Waterbull. Ah ben en fait, on aurait pu se TP ici. On n'a pas visité les maisons. Attends, on va visiter les maisons. Allez, on va tuer les trucs. Hop, un onigiri. On s'en fout, on leur parle pas. Hein. Hop, vite fait. On va piller les baraques. On leur parlera plus tard, si on leur parle. Ah oui, là, il y avait je sais pas quoi. Petite baraque. Il y a quoi à prendre? Il n'y a rien à prendre ici. Vous voyez un truc qui brille, vous, ou pas? Il y a un chemin ici, ou pas? Non, il n'y a pas de chemin. Ok, il n'y a pas de truc à prendre. Bon, tant pis, on s'en va. Sans doute des informations, hein, peut-être. Alors, ici, on est... Alors, c'est quoi comme cité, ici? Je sais plus. Je vois rien qui brille. On a peut-être déjà été hein, dans les baraques. Et je m'en souviens pas. C'est un camp militaire. Attends, on va demander. C'est quoi, ici? Attends, il y avait une baraque. Là, j'ai vu. On avait un node. On était parti se balader. C'est quoi ici? Alors, s'il te plaît. La Teria. Voilà, c'est la Teria. Et on veut aller à droite de la Teria. Donc attends. Donc j'ai soigné, j'ai bien soigné hein, toute ma team hein, pour l'instant, oui. Donc on est à la Teria. Et voilà, il y avait un chemin sur la droite. On va prendre en haut. Attends, ça est fermé ici. Voilà, ok, on va essayer de passer à droite. Bon, après, c'est peut-être bouché à cause de personnages ou voilà, de quêtes en attente. Mais qui tente rien n'a rien.
Rien à prendre. Ah si, bah un coffre, regarde, droit devant. Ouvre tes yeux. Tu as trouvé un bon de réduction, trop bien. Utiliser un bon de réduction, si ça se fait bah, au niveau de la boutique. Attends, il y a une baraque là. Ah oui, mais oui, on s'était fait envoyer bouler. Là. Hop, viens là toi. Pof. Il y a des skins hein, qui se retrouvent. 35 pièces, c'est toujours ça de prix. Je sais plus c'était quoi les bails. Un canon, je crois que c'est en bas qu'on n'avait pas été. On a des marchands qui sont ici. Faut que j'arrive à aller sur la droite en vrai. Donc peut-être faire des détours. Mais on y arrivera. De toute façon, il y a des dédales. Hein. C'est normal. Ok, je vois rien qui brille. Après, je vois rien. Allez, zou. Enfin, je suis en mode sérieux là ce soir là. Concentré, évolution de Nexomon. Mais ça vous fait un esprit. Oh là, il y a quelqu'un qui est sur le peloton. Ah non, ça va, il donne des ordres. On peut sortir par en bas. Je vais juste visiter les 2-3 baraques qui sont ici. Vite fait. Rien qui brille. Normalement, bah. Je dis normalement, mais il y a rien de normal. Il y en a dans toutes les maisons que j'allais dire, mais pas forcément. Hop, des trucs qui brillent. Et, mais ça a plus l'air d'être le cas. Bah le jeu, il a été déjà bien généreux comme ça au début. C'est normal que plus on progresse dans l'aventure, moins il y a de trucs à trouver. Enfin qu'ils fassent moins de cadeaux. Oh là. Ils sont vénères là. Bon, au moins on a un nouveau chemin. Par contre, ça va faire loin pour soigner si jamais on tombe dans les aventures là, dans les péripéties. Ah bah super. Comment on traverse? On peut pas traverser. Ah merde. Ça a l'air chouette à droite. J'ai envie d'y aller moi. On se tape contre la dresseuse ou pas? Qui est en bas là. Allez, vas-y, on se tape. Allez, on se tape. Allez, on se tape, on se tape. Allez, vas-y. Et hop, c'est la bagarre. C'est la terrien, machin. Vas-y, parle, raconte ta vie. On s'en fout. Oh là 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 là. C'est l'évolution de mon fenouil, ça, ça se trouve. Augmentation de puissance, déjà. Ça va, il encaisse. Alors, explosion. On peut l'empêcher de partir. Souffle de flamme. Coup critique. On va faire ça. Si on peut l'empêcher de décoller, ça peut être pas mal. Ah, par contre, c'est pas efficace du tout. Choupidou. Voilà, il peut pas switcher. Ben non, c'est pas Choupidou, c'est Bécalo. Bécalo, t'es level 12, je compte sur toi en vrai. Je compte sur toi, mais alors évite de mourir. Hein, dès que... Oh, on peut l'empoisonner. Oh, il a résisté, c'est bien. Empoisonne, mais alors dégage. Donc c'est le premier, il m'a déjà quasiment tué deux Nexomon. Et les choses se passent vraiment pas bien pour moi. Là, pour le joueur français, c'est un petit peu la hesse. Comme on dit dans le jargon, attention. Mais il n'y en a pas un qui encaisse correctement là les flammes à part mon premier. Ouais, certainement pas un type plante. On peut tenter, grand chelem. Attends, nuage de poison. Si on peut leur faire du dégât sur la durée. C'est pas mal. Grand chelem. Vas-y, allez hop. On tente le tout pour le tout. Il est pas mort. En fait, ils sont pas morts, donc j'ai encore de l'espoir. Même si noir c'est noir. Oh, mon Octobrain, il va sauver le game. Octobrain, t'as l'air d'être pas mal. Vas-y. Résiste mon Octobrain. Ok. Donc type psychique. Mon type psychique, mais mais chaud en vrai. Faut qu'il prenne du level. On va ressusciter Octobrain. Octobrain, on croit en lui. Bon, par contre, Wolfie, tu vas prendre cher. Oh non. Oh, c'est quoi ça? Mais ils ont trop des Necromon stylés, et puis pas moi.
Diminue la précision de 15%, on s'en fout. Vas-y. Ah bah c'était prévisible. Mon type psychique, hein. on va rester sur le psychique. Oh, c'est à toi d'attaquer. Purification élimine toutes les buffs de stade de l'adversaire, explosion psy. Vas-y, un petit coup critique là. Bon, ok, on va prendre du type psychique pour faire nos aventures par là. Ou alors on va aller expérieur. Oh, cette esquive. Ok, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. On va lui faire. On va lui virer sa précision déjà. Hein, ça peut être utile. Il masse 11. On lui fait une explosion psychique. Et à partir de là, on va se régénérer un petit peu. Alors, je vais d'abord prendre une fiole de vie. Par mesure de sécurité. Je peux pas attaquer. Donc, je peux dire, vas-y. Mais merde! Je peux pas attaquer, mais je vais m'en sortir quand même. Lui, il va se fatiguer à un moment donné. Là, je vais récupérer de l'énergie. Voilà, c'est ce qui me manquait. Par contre, il va me faire mal. Je récupère de la santé. Oh là, ce jonglage là. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, il y a un moment donné, il va être embêté. Donc ça, c'est pas efficace contre moi. Et on lui balance une bombe psychique et normalement, on est bon. Et voilà, donc on s'est tapé, mais fou, c'est... D'où qu'il en reste un? J'ai oublié. On est bon. On est bon. C'est fou. C'était chaud, mais on a réussi quand même. Et par contre, les points d'XP, là, ça monte. Hein. 190 pour Octobrain. Donc, est-ce qu'on a une évolution? A gagné un niveau. Explosion psy, on l'avait pas déjà, ça? Mais si, on l'a déjà. C'est les mêmes valeurs. Il n'y a rien qui change. Super, super. Merci de me proposer exactement la même chose que je possède déjà. Scarabrut. Ok, pas d'évolution. Alors. Bon, bah écoutez, on va soigner. On va peut-être aller XP ailleurs. Quoique ici, hein, ça XP bien du coup. Oh, la petite ambiance militaire là du désert. Attention, ça rigole pas. Patati patata. Attendez, on n'a pas été à gauche. Pour l'instant, de toute façon, l'essentiel c'est d'aller se healer. Bon, je suis obligé de faire un grand tour, mais bon. Il y aurait peut-être moyen d'aller XP ailleurs. Non. Non, ça c'est une grotte. On est d'accord. Nous, pour nous soigner, on veut aller faire demi-tour, tout simplement. Pousse-toi, toi. Alors, attention. Voilà, on y arrive. On a trois buissons à traverser. Ah bah non, hop, même pas. Vas-y, go. Type psychique, s'il te plaît, en vrai. On n'a pas la bonne configuration de team. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le type feu, est-ce qu'on garde le type feu? Ah, attends, on sait que psychique... Après, on peut aller ailleurs. Octobrain, il est passé level 12. Et il n'a pas évolué. Trou de cul. Trou de cul à la place de Wolfie. Wolfie, il va aller ailleurs. Tiens. Type O. Donc j'ai toujours ces deux-là en secours. Mais en fait, c'est pas celui-là qu'il faut. Bon, je vais garder un Octobrain. Tu vas rester là. Bec à l'eau, je le garde. Gros bidou, j'ai presque envie de le voir évoluer, gros bidou. Mais je vais voir s'il y en a qui évoluent level 12. Donc on est sur qui là? On va prendre Mosquito. Megadar, je suis sûr qu'il évolue niveau 12, mais je suis. En fait je suis sûr, mais bon, je peux me tromper. C'est-à-dire je suis sûr mais je suis pas sûr. Super. Alors, papa, pipa, papa, quoi. Donc ici je peux m'acheter des trucs, mais j'ai plus de thunes. On va se balader. On va retourner au niveau de. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle. Bonsoir. C'est Radio 12, je pense, moi, que d'un point de vue tout à fait catégorique, il serait intéressant d'aller au niveau de comment ça s'appelle
Les terres sauvages, voilà. Oui, les terres sauvages, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait, ouais. Lui, on les classe sa gueule direct. Allez, vas-y, parce qu'il va nous saouler. Vas-y, viens là, toi. Tu vas nous saouler. Vas-y, nous montre-nous. En plus, lui, ses bestioles, elles ont évolué. Voilà, ça, je pense que c'est l'évolution de notre Wolfie. Bon, augmentation de puissance directe. Allez, on va pas se laisser faire. Alors, comme ça, toi. Je vais te faire une explosion. Ok, on lui a pas fait mal, mais pas du tout. Le vent. Le vent, peut-être, contre toi. Le vent. Dikala. Oh, pas le vent. Pas le vent. Trou de cul, même capacité que toi. Ah bah oui. Forcément il m'envoie un Scarab brut. Combo. Allez, juste pour voir les attaques physiques. L'effet qu'elles ont sur toi. Ah j'ai pas pu. Ah j'ai pas pu quoi. Pas pu papou quoi. Alors attention. Mais ça, en fait, bah en plus je suis bête, moi j'ai pris un exomon eau contre un exomon électrique. Qui c'est qui va sauver le game? Toujours les mêmes. Octobrain. Octobrain, là, c'est le Nexomon du jour. Ouais, bah, voilà. Vas-y. Tu meurs pas? Tu meurs pas, c'est bien. Et par contre, tu gères Octobrain. Mais tu vas me coûter cher, Octobrain. Après, on va peut-être essayer avec Bécalo. Octobrain, je compte toujours sur toi et ton attaque psychique. Et ça fonctionne, et ça, c'est bien. C'est ça qu'on aime, la vie est douce. Allez, go. Et go. Allez, voilà. Bon, peut-être à un moment, on va en avoir marre de jouer à Nexomon, mais pour l'instant, moi, ça m'éclate. Et puis, de toute façon, j'y aurais joué. Donc, autant lancer un live, voilà, tranquille. Même si on joue en monologue, c'est pas grave. C'est, j'y joue pareil. Non, non, non. Je veux pas fuir cette bataille. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il m'a pris pour un quoi? Certainement pas. Allez, go. Allez. Bon bah ça fonctionne, on va rester là-dessus hein. Allez, oh bah toi, hop, t'as loupé l'occasion de mourir la dernière fois, donc je te l'offre accidentellement, mais volontairement. Je suis sur un 10. Hop, et cet indice, oui, nous permettra de résoudre l'affaire. Cet indice, parce que cet indice, tu vois. C'est drôle. Alors, du coup. Hop. Un petit peu de sauce psy. Ils vont servir à rien les autres s'ils meurent. Remarque, celui-là s'il meurt, il va servir à rien non plus. Une petite bombe psychique, une purification peut-être pour l'empêcher d'être précis. Comme ça, je pourrais avoir plus d'esquive. C'est pas super flagrant. Mais il y a moyen. Allez, la dernière fiole. Et on terrasse. Mais il est devenu balèze, hein, mine de rien. Après, voilà, mais un Exomon, ils sont pas super... Est-ce qu'on n'en fait pas évoluer un plus que les autres, en vrai? Et j'ai plus de pouvoir psy. Vas-y, et redonne de la sauce. Et bientôt, il pourra plus attaquer, là, mon adversaire, parce qu'il va plus avoir d'énergie. Moi, j'ai tendance à utiliser un peu des énergies à 10 minimum. Et c'est un tort, je devrais en garder à 5. 148, Octobrain. Ah, mais Octobrain, il va évoluer. Hein. Ah, Megadar, level 12. Alors, Megadar, il évolue ou pas? Oui ou non? Ah non, je pensais qu'il évoluait niveau 12. Bah, je me suis trompé. Bon, on va en garder quelques-uns avec nous. Bah, heureusement que tu vas t'entraîner, mais par contre, tu nous as coûté tellement cher. Mon cher. Oh, tellement cher. Du coup, fais voir là ce qu'il y a dans le secteur. Vas-y, on va essayer. Level 14. Hein. Stigmatisation par le feu. Level 14 déjà. Ils sont chauds. Il ne fait pas énormément de dégâts en vrai. Mais on va jongler. On va jongler. Et merde, j'ai pris. Voilà, j'aurais pas dû. C'est pas grave, ça va le faire évoluer. Mosquito face à l'électricité, je pense qu'il peut être efficace. Pas du tout. Et il y en a qu'un, les gars, et on se fait tous massacrer, là. Tu peux le faire. Tu peux le faire, cucu. Tu peux le faire, mais tu t'en sors tellement mal.
Mon bec à l'eau, il va se faire poutrer, non? Oh, ça va, éclaboussure toxique. Tourons, oh, on va lui faire... bah, de toute façon, comment je récupère ma santé, c'est pas dérangeant. Salut! Oui, bonsoir. Ah bah, c'est Light Soul. Attends, monologue. Bah ouais, je suis tout seul. Donc ouais, mode monologue. Ça va? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais souvent, hein. Souvent, bah quoi que y a des gens qui passent de temps en temps. Ça arrive, mais j'ai pas encore de quoi être affilié. Donc hier j'ai eu un raid de 14 personnes. Mais sinon, ouais, quand il y en a 3, 4, 5 personnes sur le chat, déjà c'est bien. C'est les gens qui viennent et qui reviennent. Et du coup ça c'est un jeu pour toi Light. C'est ton jeu préféré. Ça c'est je sais que tu kiffes ça des jeux, je vais te l'offrir. C'est à foutre. Ah ouais, forcément c'est moche. Allez, vas-y, dis du mal, crache ton venin. Alors c'est moche, c'est nul, c'est encore un vieux Pokémon Slack. Faut farmer, y'a aucun intérêt, y'a pas d'histoire. Mais si, y'a une histoire. Regarde, c'est Menexomon, genre tu peux les renommer, c'est génial. Lui il s'appelle Megadar. Ah, Bulofish, trou de cul, Mosquito, Becalo, Octobrain. C'est, tu sais, c'est ta créativité qui est mise à l'épreuve. C'est trop bien. Je suis sûr. Ouais, ça a l'air génial. Ah bah voilà. Ça a l'air génial, tu vois bien. Pourquoi je sens une pointe d'ironie dans ton commentaire? Comment ça se fait? Merde. Ah. Tu le veux? Et tu peux l'avoir en plus sur mobile. Il y a Nexomon sur mobile, Google Play, ça existe. Le premier opus, parce que ça, c'est le second. Alors, du coup, je suppose que t'es impatient de l'obtenir. Alors, par contre, on va prendre Picot d'Erge. Et on va enlever Bulofish. On va prendre Gravillon. Ah oui. Demande à Oshta, il va te l'offrir. Ils sont passés, Oshta et Mimi, d'ailleurs. C'était quand? C'était hier. Ah là, ils ont été sages. C'est ça qui est bien. Allez, vas-y, on lui pète sa gueule. Moi, je pense qu'un souffle de flamme, ça pourrait l'éradiquer. Ah bah voilà, ça lui fait mal. Je veux faire évoluer mon Megadar. Enfin, celui du jeu, en tout cas. Ah, pas le mien, le vrai. Oh merde, misère. Bon, quoi de neuf, sinon ça avance sur la map. Hop, vous faites une mise à jour bientôt ou comment ça se passe? Hop, et ben voilà, Kiri Kiri Kiri, on l'a entendu. Ah, ça fait... Et merde, j'ai marché. Oh, un KFC. Alors le KFC, normalement, on peut... Et c'est un type électrique. Je suis tout seul comme d'hab. Ah, bah je croyais qu'ils construisaient les gars. Ah non, c'est retour... Donc ça avance doucement, ouais, tu m'étonnes. Il va falloir que... Mais je tourne moins bien sur Minecraft, moi, depuis que le PC est revenu de maintenance. Donc, je sais pas pourquoi. Ah, du coup, j'hésite à passer. Mais quand je peux en faire la pub, hein, de la map. Donc, la libre aventure, hein, disponible sur Planet Minecraft. Pour ceux qui verront ça en VO2. En VOD. Donc, c'est disponible en libre téléchargement. C'est une map. Ouais, il y a bien 5 ans maintenant, hein, de boulot dessus. Et donc, c'est une map en perpétuelle évolution. Elle est magnifique. Et les gars sont un et demi en fait à bosser dessus. Dont Like qui est ici. Oshta qui dit il faudra falloir que je m'y remette. Donc, Oshta il compte pour un tiers de personnes. Et sinon, il y a Mimi qui fait aussi beaucoup d'aménagements. Entre autres, et beaucoup de constructions sur la map. Je vous invite à aller découvrir ça. Et sinon, c'est le premier lien qu'il y a sur mon Twitter si vous passez par là. Et Octobrain est mort. Pourquoi Octobrain est mort? Parce que ça, c'est la faute à Light. Voilà. Alors, comme d'hab, il fait pas d'effort. Du coup, il porte la poisse. Et voilà. Mais j'ai essayé d'en parler de la map autour de moi. Mais bon, les gens sont difficiles, ils savent pas reconnaître le talent. Tu vois, c'est toujours la même histoire. Allez, hop. Et vas-y, on le défonce là, cette fois-ci. Et rocher écrasant devrait suffire. Ah, me tue pas. Hein. Voilà, c'est moi qui l'ai tué. Et il y en avait qu'un, mais je me fais lapider là. Bah, c'est le cas de le dire. Enfin, c'est moi qui lapide.
Allez, go. Le soin. C'est pour ça que je l'ai attaqué, là, l'autre. Je voulais pas qu'il m'emmerde. On va aller se balader un petit peu. Mais je voulais aller visiter le monde, moi. Non, je me suis soigné deux fois. Mais merde. Et hop. Et t'es sur quoi comme zone, là? En ce moment, je suppose que t'es... En marche, non, je suppose rien du tout. Hop, excusez, un petit coup d'avoir. De l'eau. Ah, je disais, ouais, t'es sur quoi? Sur un bâtiment? Tranquille. C'est bien. Ah ouais, alors toi, je te connais. Un bâtiment tranquille. Light, il fait des bâtiments, il sait pas faire petit. Un bâtiment tranquille. Si je vais aller le voir sur le serveur, il va avoir fait une cathédrale de 600 par 600. Une île qui est aménagée, ouais, bah voilà. Donc, un bâtiment sur une île, mais sur une montagne. Mais d'abord, je vais terraformer l'île et la montagne. Ouais, je le connais. Faites-lui pas confiance, là. Il paraît pas comme ça, mais c'est un fou. Allez. Oh, Maya l'abeille. C'est trop Maya l'abeille. Oh, mais je vais l'attraper, celle-là. Allez, on l'attrape. Attrapez-les tous. C'est Pokémon, c'est trop bien. Alors, attends. Explosion, j'ai peur de lui faire mal, mais on lui fait mal. C'est bon, elle est pas morte. Elle me fait pas grand-chose en dégâts. Alors, merde. Nexotrap, nourrir. Attends, on va faire nourrir. Là, j'ai des onigris. Oh, mais fais la difficile aussi, cette casse-couille. Alors, attends. Mégadar, tu vas prendre une fiole parce que finalement, tu t'en sors bien comparé aux autres. Bon, alors, tu t'en sortais bien comparé aux autres. J'ai 24% de chance de la choper seulement. Ouais, mais j'ai le Nexotrap qu'il faut. Alors, hop, QTE. Alors, hop. Je me suis loupé, je me loupe tout le temps sur les QTE. Et c'est bon. On va l'appeler comment? Ben, on va l'appeler Light Soul. Voilà. Parce que il brille en son âme profonde. Voilà. Regarde, il brille parce qu'il est. Voilà. C'est comme ça qu'il fallait. On l'envoie au stockage, Light Soul. On le prend dans le groupe, attends. On va le prendre dans le groupe. On va le mettre à la place de qui? On va le mettre à la place de Picoterge. Comme ça, on a Light qui nous accompagne toujours. Voilà. Light, il a rejoint notre équipe. Tu vois, t'es avec nous par le cœur et par la pensée. Ah, mais merde. Ah, lui, il va vouloir faire la bagarre. Par contre, il est casse-couille. Ah, mais là, il y a une... Mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Bah, après, faut qu'on constate contre les dresseurs. Allez, vas-y. Allez. Un dresseur, juste ce dont j'avais besoin. Non, mais je vais t'envoyer, on va envoyer Light Soul, tu vois, on va te péter. C'est quoi, ça? Mais ils ont tous des trucs stylés, moi, j'ai pas évolué. Vas-y, stigmatisation par le feu. Enfin, quand je dis j'ai pas évolué, c'est dans le jeu, hein. Oh. Ah, je te vois, toi. Alors, attends. Merde. Oh, merde, Mégadar. Je m'en doutais. Ah, oh, attends, Light Soul, il est niveau 15. Mais par contre, il a pas toute sa vie. Vas-y, Light Soul, je vais te donner une fiole. Alors, attention. Et level 15. Ah, par contre, un type. Ah, par contre, mais il a que. Oh là là. Il a que 3 super pouvoirs. Pas 3 super pouvoirs, mais super pouvoirs, ils font mal. Meurs pas, hein. Bon, par contre, ouais, il fait super mal. Gravillon, à toi de jouer. Mégadar, il va pas prendre d'XP à cause de toi. Plasma, pourquoi j'ai fait ça? Oh, mais c'est quoi là? Vas-y. Ils sont devenus hyper forts. Ah là. Alors, j'ai vu que tu m'avais envoyé un lien là. Je regarderai ça un petit peu plus tard. Je suppose que c'est un lien sur la libre aventure et sur ta construction en question. Donc, je me méfie.
Patati, je vais tenter de leur faire une petite. Voilà. Ah, j'ai pas obscurité. On fiche des blessures alimentaires de type fantôme. Un coup critique. Oui, je me doute. Je me doute. Malédiction obscure. Mais je vais pas m'en sortir, moi, en vrai. Mais si, je vais m'en sortir. J'ai Octobrain. Octobrain qui a pris cher, en vrai. Megadar. Réveille, Megadar. Meurs pas. C'est chaud, quand même, là. C'est chaud, Megadar. Reviens, Megadar. On t'attendait. Oh, contre un type feuille, en plus. Augmentation de puissance. Bon, vas-y, tente une explosion. C'est bon, l'explosion. Oh là 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 là, c'est chaud, là. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Ah si, je vais y arriver. Elle était morte. C'est bon, il en reste plus que deux. Oh, il en reste plus qu'un. Souffle de flamme devrait suffire. Oui. Et là, là, je vais reprendre de l'énergie maintenant. Yes. Et maintenant, je vais reprendre de la vie. Et du coup, prochain tour, j'explose. Enfin, je... prochain tour. Comment ça? Ah, ils étaient 4. Ah, merde. Stigmatisation par le feu. Oh, j'ai esquivé, là. Augmentation de puissance. Je vais en avoir besoin. Je prends un coup, mais c'est pas grave. Explosion. Voilà. Voilà, voilà, c'est bon. On est bon, on est bon. C'est quoi qui les crame, là? Coup critique, explosion, non? Lié. On peut essayer ça. Oh oui! Oui, il peut pas s'échapper! Ah, il va cramer, il va cramer. Par contre, moi, je, par mesure de sécurité, de précaution, je reprends une fiole. Il va vraiment falloir que j'en achète. Il a voulu se barrer, il a pas pu, et il est mort! Voilà, et c'est chouette! Du coup, je vais leur défoncer la gueule aux autres, là. Souffle de flamme devrait suffire. Je pensais que c'était une attaque suffisamment rapide pour pas qu'il ait à m'attaquer. On a eu un dresseur, c'est déjà bien. Gravillon, mais il y en a... Qui c'est qui évolue? Ah! Megadar qui évolue, t'as vu le jeu, il est trop bien, tu le veux toi aussi. Ah, Megadar, donc c'était niveau 13 et pas niveau 12. Trop bien, meilleur jeu du monde. C'est bien, on commence là à rentrer là dans le... Ah, fascinant, t'as vu, hein. T'es sur le cul, je suis un bon dresseur. Mes Nexomon, ils évoluent avec moi. Et pas avec ta... avec toi. Alors, du coup, il est jaloux. Et donc, je vais soigner tout ce petit monde-là. Ouais, c'est une... Non, c'est pas une contrefaçon. C'est des Nexomon, déjà. C'est pas des Pokémon, faut pas se tromper. Et c'est Pokémon Nintendo qui a tout plagié. Ah le menteur. De toute façon, ouais. C'est une contrefaçon, de toute façon. Alors, du coup, on est pas mal. Mais alors, c'est lesquels qu'il faut que je prenne, moi? Parce que... Du coup, donc Megadar et Lysoul, hein. Lysoul qui est du coup, c'est le plus puissant. Voilà, du coup, c'est le plus puissant. Lysoul, il arrive comme ça, il nique le game. Forcément, on est content. Octobrain, level 13. Non, mais il est level 13 aussi, lui. Attends. Lui, je vais le prendre. Attends, on va peut-être prendre des level 11 à faire évoluer. Elle, à mon avis, c'est les deux mêmes. Et Mahou. Ah, mais attends, pourquoi lui, il est level 12 et il fait quoi à la place du level 11, là? Hop. Pareil. Qu'est-ce qu'il fout, là, celui-là? Gros bidou. Alors, ça raconte quoi? Là, c'est du niveau... Bon, on va prendre celui-là. Du feu. On les emmène level 12 tous. Alors, attends.
Ah, ce qu'il y a, c'est que pour arranger ces casse-couilles. Pour les mettre dans l'ordre. Bon, on verra plus tard au pire. Parce que moi, je veux du niveau 11. Je veux les faire évoluer les niveaux 11 en 12. Bon, celui-là est déjà évolué niveau 10. Mais c'est mon KFC, en fait, que j'ai envie de faire évoluer. Bec à l'eau, il est là, mais j'ai l'impression que si je l'ai dans mon... Ah, il y a Popol. On va faire évoluer Popol. Et on va faire évoluer Fripouille, parce qu'il y a Fripouille et il y a Délice. Et Délice, elle est où, d'ailleurs? Délice, elle est niveau 12, déjà. À l'attaque. Ils sont trop forts. Et il y avait une plage. Ah si, je sais, il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est trop bien. Attends. Cité de Parom, en plus j'y suis pas allé. Et je pense qu'on va se faire éclater. Si, attendez. T'as vu, c'est trop bien. Tu veux le jeu. Je te connais, tu veux le jeu. Alors c'est pas là. C'était où le... Parce qu'il y a un moment donné, on peut se balader, prendre un dirigeable. Donc, t'as vu, le jeu, il propose quand même pas mal de trucs. Hein. Et c'est là. Et ça, on a, j'ai jamais vu. S'il y avait, alors, est-ce qu'on a un ticket? Tu vas devoir avoir besoin d'habiller. C'est un achat unique. Tu peux voyager autant que tu veux avec un seul ticket. D'accord. C'est un mauvais modèle économique. Donc, accepter. Oui. Ok. Du coup, au lieu d'acheter des fioles, j'ai acheté de quoi me balader. Lui, il a des achats. Et ça, je sais pas ce qu'il y a après. Donc, on va découvrir ça ensemble. C'est bien. Allez, hop. Prêt à partir. Oui, je suis prêt à partir. Mais allons aux îles Drake. Il paraît que c'est pour les dresseurs de haut niveau. Donc, on va se faire défoncer. Voilà, mais on peut se balader et tout. Le voyage, il dure longtemps. Il y a des interactions avec les personnages. Mais c'est trop bien foutu. Allez, hop, est-ce qu'on a envie de leur parler ou pas? Si là, c'est qu'ils vont... Oh, ils vont nous raconter n'importe quoi. Attends. On peut toujours avoir des trucs? Non. Qu'est-ce que tu nous racontes Attends, voilà. Ceux qui deviennent Grand Master ont le droit à un dirigeable personnel. Ah d'accord, mais pourquoi? Ah d'accord, tu réponds pas, quoi. Ok. Attends, on va découvrir le lore du jeu un petit peu. Ah bah tiens. D'accord, il y a un truc ici. D'accord, si tu as besoin de déposer ou de retirer des Nexomon, utilise ce terminal ici. Donc ça veut dire qu'on va avoir des combats dans le dirigeable. Moi je veux savoir où ils mènent. Il y a des fantômes aussi. Et moi je veux trouver des trucs. Bah voilà, de la bouffe, par exemple. Une potion, bah, j'en avais besoin, ça tombe bien. On peut pas ouvrir les placards, pas encore en tout cas. Il y a pas d'étincelle qui brille. Là, il y a une... Oh bah il y a un coffre. Toi je te laisse, hein. Je t'adresse même pas la parole. Que si je commence en vrai à discuter, ça va pas le faire. J'ai même pas vu ce que j'avais chopé, sans doute un truc qui se bouffe. Oui. Oui, oh, t'es Dolly, t'es kawaii, c'est beau, hein, dis donc, on est content d'être là. Par contre, je vais directement activer la gemme, s'il y a une gemme à activer. Trop chouette. Avec la petite musique japonisante et tout. Trop stylé. Lead Drake. Trop stylé. C'est mignon. Wow, c'est donc ça, les îles Drake. J'ai entendu parler d'un village spécialisé dans la capture de dragons. On pourrait y apprendre une ou deux choses. Ah non, mais en vrai, trop stylé. Elle raconte quoi, la dame? Bonjour, tu retournes à Parom? Bah non. Hop, laisse-moi tranquille. Ok. Donc si j'ai besoin, ok, c'est à elle qu'il faut causer. Là, je peux soigner mes... ok, je peux soigner mes bonhommes. Et donc, je suppose que je vais pouvoir acheter des fioles. Il n'y avait pas un magasin là-haut? À toi, peut-être. Ah oui, j'ai... Ah non, ouais, c'est du 80 points de vie. Ah, c'est carrément... Ouais, ok.
J'en ai 12 des Nexotrap. J'ai 1144 pièces d'or. Oh, je vais les conserver. D'accord, ça c'est carrément de la grosse fiole. Donc peut-être que les Nexomones qui sont là, en fait, c'est des gros tueurs. Attends, parce que lui, il va me casser les pieds. Hop, laisse-moi. Hop, par contre, j'ai envie d'aller... il va obligatoirement me provoquer en duel, l'autre. Si je passe devant. Y'a pas un truc à voler? Pourquoi y'a pas un truc à voler, ici? C'est nul. Ah, c'est nul, y'a pas de truc à voler. Voilà, attendez. Hop, lui, je vais essayer le Besky. Voilà, c'est bon. Hop, on revenait en arrière. Je sens que il va me botter le cul. Alors, Bristerich, il est timide ou c'est un bot? Alors, c'est possible qu'il y ait des bots. Regarde, d'ailleurs, j'ai besoin de faire le ménage. J'ai au moins 3 ou 4 bots. Qui sont là, qui pop à chaque fois, qui comptent pas comme des vues. Il doit y avoir un other viewer, il doit y avoir... Bristerich, je sais pas. C'est peut-être un timide. Mais un other viewer et l'Urx, l'Urx, je suis pas sûr. Mais quoique, dès que je me connecte, ils sont là, quoi. Mais un other viewer, c'est un bot. Mais oui, c'est vrai que t'as les droits de modération. Donc ouais, si tu peux vérifier, c'est cool. Alors, bienvenue aux Idrek, un bon restaurant est toujours sur lui, machin, un bon repas. Oh là, 250 pièces pour tout ça. Et pleure pas. Alors attends, on va voir le niveau des créatures. Level 16, en vrai, stylé. En vrai, il est stylé, Stalky. En vrai, vas-y, mais c'est là qu'il faut les attraper. Dissipation. Non. Oh, on peut le rendre malade. Oh, et puis il résiste. Vas-y, on va faire ça. On va l'attraper. Explosion fantôme. Ah, il a esquivé. Attends, on va l'attraper. Saturlune, est-ce que t'as un petit truc à 5, quelque chose? Ah, par contre, tu vas te faire défoncer, Saturlune. Poussée d'énergie, on s'en fout. Rocher écrasant, j'ai peur de lui faire mal. Vas-y, essaye. Ah bah super, j'ai pu rien faire. Pico d'erge. T'as un petit pouvoir à 5, pico d'erge, oui. Tempête d'épines, en plus c'est plante. Oh, t'aurais pu faire un pouvoir à 10 en vrai. Je vais essayer de l'attraper. Nexotrap. Ah, j'en ai plus de type plante. Je vais essayer de l'attraper quand même. Hop. Vas-y, je m'y suis mal pris, mais... nourrir. Tu veux un gâteau avec du glaçage? Ah, il a pas aimé ça, mais difficile aussi. Compliqué, quoi. Alors, je m'en fous si je meurs. Moi, ce que je veux, c'est essayer d'attraper celui-là. Il est trop stylé. Alors, X est là. Oh, merde. Je connais plus les boutons. Oh, mais non. Il veut pas que je l'attrape. On va demander à Popol, là, de résister. Il veut pas que je l'attrape. Non, comme ça, nourrir. Tu veux un flan? Qu'est-ce qu'il pourrait aimer? Une pêche? Tu veux une pêche? Oh, il est pénible. Alors attends, fatigué. Heureusement qu'il est fatigué. Allez, Nexotrap, vas-y. Je vais t'attraper. Après, il est peut-être pas assez endommagé, hein, le vilain Nexomon. Attends, j'ai mis 3 heures à... Ah bah si, c'est bon. Voilà. Ah, on l'appelle comment? Mantis, comme dans les gardiens de la galaxie. Mantis, c'est obligé, on l'appelle Mantis. Hop, Mantis. Alors, du coup, envoyé au stockage ou alors dans le groupe. L'envoyer au stockage. Ah, on va pouvoir faire de la chasse au Nexomon, par contre, ça va être compliqué.
Ah, par contre, ça va pas être compliqué parce qu'on peut les soigner direct. Oh, on va avoir que du rare. On va leur péter la gueule. Oh, c'est quoi ça? C'est moche. C'est moche, mais je le veux quand même. Astico, on va l'appeler Astico. Malédiction obscure pour commencer. Oh bah. Oh, c'est un type vent. Oh bah, en trois coups, je vais l'avoir. Allez, Astico. Oh bah, tiens, Astico. Un type vent, exotrap. Vent, j'ai pas ça. Ah bah, si, vent. On va essayer avec un normal. Je suis à 26%. Et là, je suis à 51%. Ouais, attends, on va essayer de l'attraper. Mais je vais en avoir un mieux, je suis sûr, après. Le type vent, et puis je vais être dégoûté parce que je vais avoir utilisé mon truc. Vas-y, dis-moi que je l'ai attrapé. Voilà. Astico. On va l'appeler Astico parce qu'il ressemble à un Astico. Ventilo. Et il choupinou quand même. Il a l'air d'un con, mais il choupinou. Astico, vas-y. On y retrouvera un autre blaze s'il faut. Mais Astico, Astico, on va l'écrire correctement. Mais c'est bien là. Et je suis quasiment pas mort. Là, grâce à mon personnage trop fort. Ah, mais c'est bien. Allez, à la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine. Vas-y, là, il y a quoi là maintenant? Oh, un kangouzor. Ah, mais Dra, est-ce que c'est pas un kangouzor? On va l'attraper. Allez, kangouzor. Kangouzor, il est pour moi. Oh, et en plus un type feu. Kangouzor. Oh là. Oh là, par contre, il est tenace. J'ai pas mon bec à l'eau. Firehead. Vas-y, Firehead, t'es du même type que lui. T'énerve pas, Firehead. Rafale de palmier. Ouais, vas-y, fais ça. Firehead. Attention, Firehead. Allez, premier ban de cette chaîne. Ah, j'en ai fait des bans. Moi, j'ai banni, comme il dit, grand front. J'ai banni à tour de bras. Parce que des fois, t'arrives, les gens, ils se foutent de ma gueule. Ah, la calvitie. Dégage. Tu vois. Et moi, j'ai dit, bah non, tu vois. Pas d'accord. Attends, il s'est déjà fait défoncer, il a rien dit, lui. Mais Popol, Popol. Ah bah Popol il résiste. Incinération ça. Flamme peut-être. Flamme Popol. Encore une fois. Ah là, on va pouvoir l'attraper. Est-ce que ça va être chaud? Attends. Saturlune. Saturlune, mais viens ici. Tu vas prendre de l'XP au moins. Oh ça va et résiste. On va le nourrir. Qu'est-ce que ça mange un kangouzor? L'Urk, c'est un bot d'Analytics Twitch. Ça sert à rien le machin étant en live H24, ok. Ouais, j'avais cru voir passer ça. Hop. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu, quoi. Et qui vérifie. Moi, j'ose pas, en fait. Quand je sais pas, j'ose pas. Et c'est un tort. 14%. Attends, je vais le renourrir. Je vais nous. Il a pas aimé ça. Il veut du flan. Tu veux du flan, Kangouzor? Bah, je vais t'attraper quand même, Kangouzor. Alors, en exotrap. Ouais, j'en ai plus beaucoup en vrai. Allez, dis-moi que c'est bon. Super. Oui, c'est vrai, mais j'avais fait, puis je sais pas pourquoi j'ai pas viré. Un kangouzor. Kangouzor. ORE ou ARO? Kangouzor, comme ça. Allez, l'envoyer au stockage. Là, on est en train de se faire une bonne petite récolte de l'exome. Je pensais qu'on allait les faire évoluer. Attends, on va les soigner d'abord. Un kangouzor. Que des rares, trop bien les îles Drake. Ah dis donc, je regrette pas d'être bien dur. Là on a quoi? Oh, il est dégueulasse. On dirait un Pikachu avec des ailes de chauve-souris. Comment on pourrait l'appeler celui-là?
Malédiction, déjà une malédiction. Mais ils sont efficaces les poisons ici. Alors attends. Je sais, Mawaka elle serait là, elle ferait ah tu dis pas qu'il est dégueulasse, il est trop choupi et tout. Que Mawaka elle joue au jeu aussi. Elle les collectionne et je sais qu'elle aime beaucoup celui-là. Mais flotteur, voilà, elle change pas ses noms. Et du coup je sais que ça lui plairait un comme ça. Tempête fantôme, on va lui faire un petit dégât pour voir. On va l'attraper, je sais vraiment pas comment l'appeler celui-là. J'ai 12% de chance de réussir. C'est un type vent, j'ai rien. Minéral, psychique, fantôme. Enfin, je vais le nourrir, je vais essayer d'augmenter mes chances. Tu veux des oranges? Est-ce que t'aimes ça? Mais non, il a pas aimé ça. Il va me taper. Eh oh, arrête de me taper. Hop. Saturlune. Saturlune, hein, tu vas prendre des points. Ouais, tu vas prendre des points, mais dans la gueule. Alors attends. Pico d'erge. Essaye de te défendre un peu, Pico d'erge. Ok, il m'a rien fait. Je vais essayer de l'attraper. Ah, par contre, va falloir être sélectif bientôt là dans les dans le choix des nexomones que j'attrape. Je vais pas réussir. Si, j'ai réussi. On dirait à moitié un axolote, mais croisé avec un Pikachu. Et c'est un type vent. Comment je l'appelle? Comment je l'appelle celui-là? On dirait, il a une tête de rien, tu sais, on dirait rien. Poké nul. Effectivement, t'étais tout seul, hein, Xer. Les deux qui étaient dans la liste sont des bots. Ok, c'est bien le... Mais bon, je préfère ne pas avoir de bots et avoir personne et être en monologue plutôt que d'avoir des fausses personnes qui soient là. Comment je l'appelle, là? J'ai besoin de toi. Comment on l'appelle ce truc, là? Moitié une chauve-souris, moitié un Pikachu. Picari. Ah, Picari, allez. Picari. Picari. Parce que. Voilà. Picari. Allez. C'est Pikachu chauve-souris. Allez. Merci de ta participation. Hop. Picari. Hop. Soin. Oh, bah, on va faire que ça par contre. Bah, bientôt plus de thunes. Ah, mais si, mais je gagne des thunes quand je combat. Vas-y, là y'a quoi? Ah, je te connais, toi, on se casse. T'es dégueulasse, on te veut plus. On te veut plus. Alors attends, j'en ai chopé plein. Là ça bouge là. On te veut pas, toi non plus, on se casse. Laisse-nous partir. Alors. Ah, mais y'a que là que je peux les attraper en fait. Parce que l'autre il va vouloir me faire la guerre. Ah ouais, mais ce qu'il y a c'est que même s'il veut me faire la guerre, maintenant j'ai des Nexomones qui sont puissants. Donc je peux faire la bagarre. Attends, là il y a quoi? Voilà, un Kangouzor, on les a tous fait hein, je crois. À moins qu'il y en ait un rare. On cherche un rare, un shiny. Je sais pas s'il y a des shiny. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, ok. J'en cherche, hein, on cherche. Comment ça a échoué? Mais on va te niquer ta gueule. Attends. Malédiction obscure déjà pour commencer. Démotivé. Saturlune. Saturlune, s'il te plaît, tu fais quelque chose. Ah, alors, Saturlune qui résiste. Titi, attendez pas, coup de roche. Alors, hop. On y va. Dégage-moi. Wow. Eh, t'es un type plante. Tu vas voir, tu vas faire face à mon Firehead. Il m'a fait penser à un super-héros de la team DC Comics, Firehead. Firestorm, voilà. On a vu dans Flash et tout, dans Hero, dans les crossover Crisis of Infinite Earth. Mais c'est bien ce qu'ils font, là, DC Fandom, le 12, dans la nuit du 12 au 13 septembre, là. C'est bientôt la deuxième partie. Donc on va avoir plus d'infos sur les séries comme Titan, la saison 3, enfin j'espère. Mais vivement que Marvel il fasse la même chose. Mais ils vont lier tous les univers, séries, films. De toute façon, c'est la seule façon de s'en sortir après la Snyder Cut. Qui sera un élément bien à part. Mais le film Flash va tout remettre dans l'ordre. C'est déjà un sacré bordel. Ils vont. T'as Michael Keaton qui va servir de nouveau de Batman. Il va y avoir Ben Affleck aussi qui va remettre le costume du Batman. Donc c'est bien. Donc ils peuvent faire n'importe quoi, ils vont taper dans le multivers. Et en vrai, c'est vu le fiasco qu'a été le film à la base,
qui a été une déception pour tous les fans. Et pas que, d'ailleurs. C'est bien qu'ils fassent ça. Puis c'est ce qu'on veut voir, voilà, nous, les fans de comics. On s'en fout, en fait, qu'il y ait des trucs qui soient plus kitsch les uns que les autres. C'est assez excuse par les univers parallèles. Vas-y. On prend. Mélanger du Shazam avec du Superman, avec, avec du Flash. On veut tous les voir. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est preneur. Wonder Woman 1984, tu fais revenir l'autre, pas de souci. Bon, tu te doutes qu'il va mourir à la fin. Mais c'est pas grave. Death Note. Eh oui, il s'appelle Death Note, mon méchant. Parce qu'il est fort. C'est moi qui ai inventé. Hop. Le nom. Death Note. Allez, go. Ah, mais la bataille est serrée, là. C'est le combat des titans. Allez. Je vais prendre Délice et Fripouille en même temps, en vrai. Bon, ça, c'est un pouvoir qui fonctionne bien. Je l'ai utilisé 5 fois. Saturlune. Je vais les augmenter, de toute façon. Ils vont prendre... voilà l'XP. Explosion de roche de nuit. Allez, hop. Emballer ces puzzles. Mais je crois que j'ai fait le tour. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les Nexomones les plus puissants qu'on possède. On va se faire un deck stylé. Alors attends, c'est qui voulait? Attends, il y avait moyen. Ah, dans le dirigeable. Ah, c'était dans le dirigeable qu'on pouvait faire l'aller-retour. Attends, déjà, on va aller dans la maison de Chouraf détruit. On peut voler des trucs, y a rien à voler ici ou quoi? C'est nul. Y a pas un truc qui brille. Ah merde. Ah, mes flûtes. Attends, et si je vais par le bas? Ça se trouve, il va pas m'attaquer. Il m'a pas attaqué. Oh, trop bien. Alors, attendez, on va essayer de trouver un autre de téléportation. Oh, il y a un coffre là-bas. Attends, là. Petite maison. Ah, lui, il va me dire, dégage de chez moi. Oui, bah c'est ça. Donc je suis pas encore un dresseur expérimenté, c'est pour ça qu'ils veulent pas me voir. Voilà, attends, il y a moyen de trouver des trucs. Par contre, par où est-ce qu'il faut aller pour trouver... Ah là là, on va explorer, c'est trop bien. Mais je pensais que ce serait plus dur. Donc là, et là, il y a la bagarre, il va falloir faire le tour. Ok, je sens qu'on va devoir faire un grand détour pour aller tout droit. J'aurais bien commencé à gauche. Ah, attends, du coup, là, on va éviter les combats. Ça, je prends. On a quoi? Si on suit le chemin, là. Ouh, j'aime pas ça. Oh, bah, un coffre. J'aime pas ça. On va faire une sauvegarde. C'est trop chouette en vrai. Et il va falloir qu'on essaye aussi la version mobile. Et je vous rappelle que c'est dispo sur App Store, Google Play. Et que c'est l'histoire antérieure à celle-ci. Celui-ci, c'est le deuxième opus quand même du genre. Ah super. J'ai cru qu'il allait avoir un gros truc qui allait nous attendre. J'arrive pas à articuler moi aujourd'hui et je sais pas pourquoi. Allez. Je relaisse, on va faire la tournée. Donc là il y a un passage là. Ici, la maison, on pille, on va sortir, on va piller aussi. Rien à piller. Après des fois on n'a pas les yeux en face des trous. Hein. Donc ça par contre je prends. Une orange, très bien. Lui va vouloir combattre. Ok, on a une quête ici. On peut lui causer. Allez. Hey, tu es un grand dresseur, n'est-ce pas? Oh, me dis pas que tu vas m'attaquer. Le village de Lydia n'autorise pas les novices comme moi à l'intérieur, donc je ne peux pas du tout obtenir leur nexotrap élémentaire. Et si on faisait un petit échange, hein, obtiens-moi quelques-uns de leurs trucs et je te donnerai quelque chose de cool. D'accord. Va parler au dresseur une fois que tu auras fabriqué les nexotraps qu'il veut. Oh, bah, t'es marrant, toi, mais t'es marrant. Alors, attends. Ah, c'est chouette, j'aime beaucoup la musique, en plus. Attends, on est déjà passé par là.
Ça, je prends. Oui, on en vient. Ah bah non, on n'est pas passé par là. On était de l'autre côté. Il n'y a rien d'intéressant ici. Attends, si, il y a un chemin en bas. Il y avait un chemin en haut aussi. Attends. Je la sens l'arnaque, moi. Ok, bon, il y avait rien, mais on va pas passer devant le dresseur combattant, là. Alors, monter en haut et puis prendre à droite. Je veux trouver un node de téléportation, j'espère. Et merde. Fuis. Voilà, c'est bon. Parce que si à chaque fois on est obligé de prendre patati patata le dirigeable, ça va être pénible. Après, je comprends que ça fasse partie du lore du jeu. Ok, on a une dresseuse qui est là. Par contre, c'est chouette la cité dans les nuages. Là, il y a un truc. Hop, hop, le tourave. Eh, merci, je me casse. Meilleur jeu. Oh, mais attends, il y avait un coffre. Excuse-moi, j'ai pas bien pillé ta maison. Attends. Faut quand même que je te vole des trucs. Ah! Ah non, j'ai cru que c'était pas accessible, mais en fait, si. Hein, compagnon Zumble? Ah bah, c'est Light Soul! On va prendre Light Soul avec nous. Attends. Light Soul, il nous accompagne. Light Soul, profil. Il est où, Light Soul? Changer d'adepte. Ouais, j'en ai plein. Mais il est là, Light Soul. Voilà. Voilà, hop. Ouais, tu vois, nous et Light Soul. Voilà, les deux compères. Hop. Allez, viens, on va faire une map. Allez, viens, on va jouer à Minecraft. Hop. Oh, bah, elle m'a pas embêté, trop bien. On arrive à une cité où on peut se TP, là, un petit peu. Ça a l'air d'être le cas ici. Ah, me dis pas que tu veux pas qu'on passe. N'avance plus, seuls les citoyens ou dresseurs autorisés peuvent entrer dans le village. Oh, les... Oh là, vous semblez n'avoir aucune accréditation. Convenez que vous avez une certaine renommée. Ah, le chieur. Ça, c'est parce que, tu vois, il m'a vu avec un vieux Light Soul, là. Il s'est dit, ouais, voilà, t'es pas assez évolué. Ah, j'ai pas le droit. Du coup, je vais me taper le dirigeable à chaque fois, quoi. Vas-y. Oh, trop bien. Il est en pierre, le dinosaure. Dino Rock. Ça y est, je vais avoir plein de dinos quelque chose. Malédiction obscure. Dino Rock. Oh, par contre, Dino Rock, il est level 16, il rigole pas, hein. Vas-y, je te le refais une fois. Il m'a pas tué. Dino Rock. Saturlune à l'attaque. Saturlune, vas-y. Fais pas n'importe quoi, Saturlune. Rocher écrasant, vous êtes de la même. Du même acabit. Saturlune, je te remercie. C'était bien tenté. Picoder, t'as franchement graine de balle, Picoder. Je le tue pas, hein. Mais le tue pas! Pourquoi tu l'as tué? Attends, il y a un chemin qu'on n'a pas pris. Ah, je suis déçu, hein, quand même. Pico d'herbe. Mais non, celui-là, on l'a déjà combattu. Il n'y a rien pour se soigner. Échoué, bah ça y est, je suis mort, quoi, en fait. Ah, je suis dégoûté. On n'en a pas. Il y a l'autre, il me plaisait, là. Vas-y, on va essayer de le rattraper. Est-ce que c'est le même? Mais non, t'es nul toi. Moi je veux un dino rock. Un dino pierre ou appelle-le comme tu veux, quoi. Mais non, pas toi. Ah, il, ça se trouve, il était rare en plus. Alors ceux que j'ai chopé, c'est des communs. Merde. Là. Là, ça bouge. Eh merde. Dégage. Bon, je vais les soigner. Oh, échoué, il va mourir. Non, il a pas mouru. Il l'a pas mouru. Oh, caca boudin, quoi. Et vas-y, mais on va toi. Puis. Oh, je vais me soigner. Dino Rock. Attends, il est peut-être là. Oui, un Dino Rock. Vas-y, je le veux. Firehead, à toi de jouer. On a 3 Nexomon pour lui tenir tête. On va pas lui tenir tête beaucoup avec ça, les gars. Cloison par le feu. Ils sont nuls, tes pouvoirs, en plus. Et t'es mort. Tu sers à rien. Franchement, tu sers à rien. Firehead, tu sers à rien. Popol. Popol, je compte sur toi, Popol. Ah, si, c'est que... Berceuse. Tiens, fais-lui une berceuse. Alors? Ça a marché ou pas? Morsure.
Enfin, incinération, vas-y, c'est ce qui serait le plus efficace en vrai, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'attraper avant qu'il meure. Vas-y, on va y arriver. On va peut-être pas y arriver. Alors. Fripouille, Fripouille, y'a que toi. Ouais, ouais. Fripouille, y'a que toi qui peux l'attraper. Pastille de vent pour lui infliger un minimum de dégâts. Bon, c'est un type minéral. Nexotrap. Type minéral. Comment ça, type minéral, c'est tout? On va essayer, on va essayer. Allez, hop. On va dire qu'on est bon. Dinorock, oui. Oui, Dinorock. Ah, c'est bien, Kiri, Kiri, Kiri. Allez, hop. Dinorock, Oren. C'est nul comme nom, Oren. Dinorock, c'est vachement plus classe. Dinorock. Voilà, donc envoyé au stockage, c'est cool. Ah, on a fait une bonne chasse là. Allez, on va revenir en arrière. Et puis il y a un endroit qu'on n'a pas exploré, donc on va aller l'explorer. Mais il va falloir qu'on augmente notre niveau. Attends, mais il y avait un chemin là en bas. Oui, et il servait à rien d'ailleurs. Du coup, c'est par là. Hop, hop, hop. Et puis l'autre il cache, il peut pas ouvrir sa maison. Du coup, on va éviter de se faire attaquer sur ce coup-là. Toc, toc, toc. Et on revient en bas. Et c'est à gauche qu'on n'a pas été. Et d'abord, on va aller se faire soigner parce que sinon, on va pas réussir à progresser. Bon, on va chasser d'autres. Et ici, il y a un coffre. Voilà, attention. Et il n'y avait pas une dresseuse là? Attends. Si, voilà, il y avait un dresseur. C'est bon. Non, mais non. Mais non. Mais non. Oh là 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 là. Mais ils sont tous morts. Bah oui, tu vas gagner avec ton moustique à la con là. Attends. Oui, bah j'ai aucune chance. Voilà, vas-y, allez, attaque. Attaque, vas-y, allez, chez moi le plus fort et tout. T'es un novice. Vas-y, ferme ta bouche. Ah là là. Ouais, bah forcément. Ils sont tous morts. Bah je vais me laisser perdre, hein, c'est mieux. Oh là là, stylé. Ah, ce qu'il y a, c'est que ça me spoil, moi, sur l'évolution de mes persos. Trop stylé. Bah oui, bah tu peux faire le malin avec tes Nexomones machin, quoi. Allez, vas-y. Bah oui, forcément, tu le tues. Vas-y, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, vas-y, nanana, incinération, machin. J'ai même pas le temps de taper, en vrai. Allez, vas-y, tu m'as fripouille. Vas-y, tu m'as fripouille. Mais, allez. Voilà. Ah, t'as perdu. Bah oui, j'ai perdu. Et tu vas me remettre où, alors, du coup? Il me remet là, cette andouille. Alors que je peux pas les soigner. Mais c'est pas grave, je vais l'esquiver, mais... Ah, la galère. Quand tu passes devant des dresseurs comme ça et que tu peux pas les esquiver, mais à chaque fois, ils te refoutent la moitié de ta vie. Bah, en fait, j'ai plus de vie que... Parce que là, maintenant... Voilà, j'ai la moitié de ma vie. Donc, j'en ai plus que... qu'avant de lancer le combat. Là c'est que je vais essayer d'éviter le combat. J'ai déjà réussi à passer une fois à côté dans un sens, donc je pense que j'aurai moyen de l'esquiver dans le deuxième. C'est juste que j'ai pas été malin. Allez. Mais bon, ça c'est pas nouveau. Alors attends. Ici, ici. En fait j'ai tourné trop tôt. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Ah. Et du coup je peux me soigner. Et donc attraper des nouveaux Nexomones. Donc je vais voir s'il y en a d'autres dans les fourrés là. Vite fait. Les nouveaux. Ou si c'est toujours les mêmes sur lesquels on tombe. Et peut-être qu'on va tomber sur un truc plus rare. Non. Hop. Du coup est-ce qu'on fait est-ce qu'on chasse? Attends, là il y a quoi? Oh, on l'a pas celui-là. C'est celui-là qui devrait s'appeler Astico. Il est trop mignon, kawaii. Vas-y, malédiction obscure sur un truc aussi mignon. Vas-y, encore. Ah, tu vas augmenter Death Note. Oh là, bah alors attrape-le maintenant, en vrai. Nexotrap direct. Oh bah 27% de chance. Vas-y, on tente. On peut l'avoir facilement en vrai. Vu que là, il est quasiment mort. Et voilà. Comment on l'appelle?
Regardez-moi ça, c'est une larve. Bah, larve. Larve aux feuilles. Larve aux feuilles, mais est-ce qu'on a... Larve aux plantes, larve aux troncs. Larve aux troncs. Larve aux troncs. Allez, larve aux troncs. Hop, c'est bien ça. Larve aux troncs. Ah. Voilà. Larve sans le sait. Larve aux troncs. Voilà, hop. Quelle originalité. Allez. Et du coup, soin. Et on va retourner quand même dans notre pays d'origine. Allez, c'est, par contre, c'est dommage qu'on puisse pas... qu'on puisse pas évoluer plus, mais je pense qu'il faut, il faut faire la mission. Vas-y, on va essayer de s'en choper un ou deux, là, encore. Ah non, on les a déjà. On va pour la collecte, quoi. Bon, amuse-toi bien, je vais me pioter. Ok, bonne nuit, Light. Merci d'être passé, en tout cas. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, bon courage pour demain. Je suppose que tu bosses. Donc passe la bonne nuit. Hop, et puis j'irai voir là le lien que tu m'as filé là pour le bâtiment. Et je referai la pub pour Minecraft aussi, pour la libre aventure. Il faudra que je le fasse. Bon, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien d'intéressant. Au moins dans cette zone, on peut aller un petit peu plus loin. Vas-y, hop, pour voir ce qu'il y a ailleurs. Vas-y. J'étais déjà soigné, mais c'est pas grave. Attends, j'étais passé par là. Oui, j'étais passé par là. Toc. Allez, on l'esquive. Et si c'est à droite en fait. Voilà, si, ça. Non, c'est à gauche. On n'a pas été. Ici, il y a certainement des trucs à prendre aussi. On s'éloigne un peu, mais bon. Alors, attends, parce que là, on n'a pas été voir. On va essayer de traverser en évitant les combats d'abord. Oh merde, je l'ai pas vu. Quel endroit fabuleux, n'est-ce pas? Bah oui. Facile à dire pour un fantôme, je suis pas une de ces tristes machins. Vas-y, j'ai appuyé, j'avais pas envie de la dire. Mais comment veux-tu en vrai? Biralo, tu vas morfler Biralo. Enfin, en attendant, tu me fais du mal. Mais non, mais il triche aussi. Il prend pas les coups. Voilà, allez, Saturlune. Ah bah tu vois, moi aussi je peux tricher. Saturlune, bah rocher écrasant, voilà, ils ont tous un petit peu la même dépense. Oh, un truc de cul, vas-y. Moi aussi. Oh là, par contre, tu fais mal, truc de cul. Mais d'où qui fait aussi mal, truc de cul? Depuis quand? Allez, Firehead, fais un truc, cloison par feu, c'est nul. Rafale, flamme, au moins tu vas le cramer sur le long terme. Critique, ça c'est bien, Firehead, tu sers au moins quelque chose. Ça va être chaud. C'est chaud. Popol, t'as moyen de le contrer lui? Ah bah forcément. Ah par contre, incinération les gars. Alors incinération qui a pas du tout fonctionné, fripouille, y'a que toi. Fripouille. Vas-y ma petite fripouille. Glaçon glacial. Ça peut marcher. Sur un malentendu. Oh là là. J'ai pas envie de gaspiller tout dans mes fioles en vrai. C'est autant accepter la défaite. J'aurais pu l'esquiver. Ouais, on va chasser. Alors, c'est pas grave. Dissipation, explosion fantôme, ça peut servir. Vas-y, meurs. En fait, autant mourir. Autant, voilà. Parce que là, c'est chaud. Ils ont du gros niveau quand même en face. J'y arriverai pas, il y en a 4 là, j'y arriverai pas. Autant mourir, et puis on va repartir sur les bonnes bases. J'aurais pu l'esquiver en fait, ce personnage. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Là, reviens ici. Normalement, s'il me ramène en arrière, j'y vais me remettre dans la cité. Vas-y, me dis pas que tu vas gagner, Popol, là. Attends, on sait jamais. Bon, à mon avis, non. Ouais, voilà, bon, ok. Bon, bah, j'ai gaspillé une fiole pour rien. Heureusement que je me suis pas acharné sur le combat. Et voilà, il me remet là. Donc, ça, c'est cool. Donc, on va le retenter quand même. Histoire de voir. Par contre, c'est chaud. Est-ce qu'on tente d'aller vraiment loin ou pas du tout? On reviendra un petit peu plus tard pour se dire.
Voilà, il nous reste quelques zones à explorer. Parce que là, on peut aller... Il y a quoi, là, par exemple, dans la forêt? Non, c'est nul. Ok. Oh, mince. Ah, attends. Je m'en vais, tu m'intéresses pas. Wolfie. Oh, tu m'intéresses pas, mais tu vas t'en prendre une, hein. Mince, c'est pas celui-là que je voulais attaquer. Oh, je suis déçu. Là, on a quoi? Oh, c'est toujours les mêmes. Ah, j'arrive pas à m'enfuir, par contre, ça va me casser les pieds, ça. Ah non, mais je suis un ouf gueudin, hein. Je deviens vulgaire. Attends, on a quoi ici? On a déjà vu. Déjà vu. Attends, j'aime pas avoir un exomon blessé, là, dès le début. Hop, vas-y, hop, on fait comme ça. On va aller plus loin. Alors, hop. Hop, on va charbonner. Vas-y, viens. Mais je découvre l'univers, moi, c'est chouette, c'est cool. Voilà, du coup... Bon, lui, le dresseur. Est-ce qu'on lui pèterait pas sa gueule à un moment donné au dresseur, là? Parce qu'il nous embête, en fait, sur le passage. Tu sais, c'est que je peux pas choisir la team, là, que je veux. On va aller plus haut, en espérant que ce soit... Dis donc, il y a moyen de prendre... Il y a des drôles de rochers ici. On a dû nous donner des indications, mais j'ai rien à écouter. C'est sympa. Est-ce que je suis plus fort maintenant? Peut-être. Peut-être. Alors, attends. En vrai, je vais essayer de passer comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, on a une quête. Un étranger, tu cherches aussi le coffre. Tu sais, un seul type de clé spéciale. On peut ouvrir le coffre, ok. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, toi, j'ai passé toute une vie à chercher un exomon très rare appelé Namansi. Je suis devenu aussi obsédé que je serais prêt à te donner ma clé de coffre en échange de Namansi. Ok, donc ça doit être sa montre religieuse ou j'en sais rien, quoi. Donc, il faut Namansi. Alors, mais je sais pas ce que c'est ton Namansi. Je sais pas, tiens, et puis ça, je le prends. Une orange. Ah! On s'en fout de celui-là. Bon, en fait, c'est toujours les mêmes, hein, sur toute la map. Oh, j'ai peut-être une chance d'en trouver un plus rare que d'autres. Ah. Non. On s'en va. Il y en a bien un rare ou deux, là, dans le secteur. On a tout attrapé. Oh, vipère au point. C'est vipère au point. Malédiction, vipère au point. Comme dans One Punch Man. Vipère au point obligé. Oh bah toi, je vais pas te laisser partir comme ça. C'est juste pas possible. Saturlune, viens là. Alors tu fais pas la zouave, Saturlune. On va essayer de l'attraper comme ça. J'ai 19% de chance de l'attaquer parce qu'il est fatigué. Et type psychique, 36%, vas-y. Oh, puis vas-y, trop bien. J'avais bien qu'il y avait du rare. Enfin, j'espère que c'est un rare. Oh, et tu reviens. Je vais te nourrir. Nourrir. Tu veux une orange parce que c'est acide et toi t'es acide. Allez. Faut bien. Ah, et forcément. Ah, bah il me l'a tué par contre. Ça, c'était prévisible. Cette hurlue, elle a pas de chance. Elle se fait botter le cul à chaque fois. Du coup, on va en exotrap. Comment ça, 11%, je l'ai nourri? Ah, mais attends, si, je vais prendre un exotrap particulier. Comment ça, 28%? Si, c'est que j'ai peur de lui infliger trop de dégâts. Ok, il a rien senti. Voilà. Il faut que j'arrive à l'attraper. Un exotrap. Ce qu'il y a, c'est que il peut cramer d'un moment à l'autre à cause du pouvoir que je lui ai envoyé dans la tête. Il a brûlé. Ah, oh là là. Ah, lui il meurt. Il est chaud, hein. Allez, fripouille. Attrape-le.
Y'a ça. Y'a ça, ça va être efficace, ça. A vraiment aimé ça. Donc du coup, j'ai pas le choix. Nexotrap, il m'en aura bouffé des Nexotrap, hein. Allez, hop, hop, hop. Ici, comme ça. Et comme ça. Je me plante dans les QTE. Je suis mauvais. Et ben voilà, on a un arrêt ici. Vipère au point. Vipère quelque chose quoi, au crotal ou on dirait un hocher, on dirait un crotal, on dirait quelque chose. Un hocher, serpent mauve, serpent psychique. Non, vipère au point, voilà. On trouvera autre chose s'il faut. Vipère au point. Ah. Bon, on va mettre un G, voilà, hop, vipère au point. Et on l'envoie au stockage. Et du coup, on a attrapé notre Nexomon particulier qu'on voulait. Je changeais juste de profil. Hein. La petite créature qui m'accompagne. Changer d'adepte. Oh, le cerf-volant, il est dégueulasse. Oh, le tatou. Elle est trop mignon, trop kawaii. Allez, vas-y. Oh, j'en veux un comme ça. Ah, j'en veux un comme ça, c'est obligatoire. Et on va se soigner, puis on va changer de lieu. On va revenir en arrière. Quoique. Comment l'équipe là? Vas-y, il m'en reste 3 là qui sont en vie. Et là, on a quoi? Bon, ok. Fuir. C'est pas la peine. On t'a déjà combattu. Curlu tutu, chapeau pointu. Allez, go! Là, hop, on se cale à droite. Pour éviter le dresseur. En vrai, j'aurais pu les garder dans mon stockage, dans mon équipe, et on aurait pu combattre les gros méchants, là. Mais c'est pas grave. Pof, allez. Hop, oui, j'ai besoin de soins, s'il te plaît. On va juste faire les curieux, encore une fois. Non, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Papa, là, papa. Allez, on sort de là. Non mais c'est bien, on aura visité un nouveau lieu. Là, les fioles elles sont trop chères, du moins on en a pas besoin pour le moment. Oui, on s'en va. Le dirigeable est bientôt là. Donc évidemment. Oh bah attends, j'ai pas vu. Hop, tu as trouvé 20 pièces. J'ai pas été voir en bas là. Ah si, en fait on vient d'ici. Bon, j'ai pas envie de leur causer. Je pourrais leur causer en off quand je voudrais. Donc je vois pas l'utilité de le faire ici. En fait, il n'y a que notre Megadar qui a évolué. Hein. Mine de rien. Oui. Et voilà, nous revoilà ici. À Palmum. À Parom. C'était sympa, ce petit voyage-là. Hop. Franchement, c'était cool. Bon, après, vous n'êtes pas nombreux ce soir, mais bon. Allez, 22h30, hein, quand même. Ah, bientôt le Herman. Bon, écoutez, vous savez quoi, moi, je vais m'arrêter là. Et je vais manger. Et ensuite, vous allez me retrouver sur le live d'Herman. Enfin, pas sur le live, mais dans le chat. Voilà, tranquille. De toute façon, j'avais pas prévu hein, de live. J'avais envie de jouer. De toute façon, je vais continuer de jouer de mon côté. Les faire évoluer. Et puis ensuite, je vous ferai le bilan. Comme les Negmarons. Et voilà. On s'amusera bien. Bref. Je vous quitte là-dessus, je vous envoie un écran de fin. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye.